Et salut tout le monde, c'est Rhapsody Zero, on se retrouve pour l'épisode 3 de l'épopée du cube. On commence directement dans le Nether. Que puis-je vous montrer dans le Nether? Que puis-je vous montrer dans le Nether? Ceci. Tada. Voilà. Donc c'est cool. On va tout de suite commencer par faire le chemin. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il y a eu une coupure dans frappe dès le début de la vidéo, ça commence très bien, et que je me fais agresser par un ghast. Côté emmerdant de la chose, c'est que j'ai pas d'arc. Matrix. Merde. On va éviter de sauter. On va éviter de mourir aussi. Trop fort. Bon. On va faire plus simple. Hein. Putain, mais qu'est-ce que le truc, ouais. Ah, j'aurais dû venir avec un arc. Ouais, quand même. Bon. Comment y aller? Ah, je sais comment y aller. Par les souterrains, tout simplement. Tcha 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 tcha, on va pas y aller comme ça. Alors, c'est toujours quand je suis en train de tourner qu'il faut qu'on me parle sur Skype. Bon. Je vois ça juste après. Quoique, attendez, je vais peut-être y aller en fait. Bon, à tout de suite. Me voilà dans la forteresse. Alors, je suis passé à l'arrache par là, le chemin de terre, voilà. Donc, on va passer direct à l'exploration. Donc là, je suis passé, ça se voit, hein. c'est pas fait tout seul. Alors, ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a déjà un petit blaze ici. Ce qui me plaît moins, c'est que j'ai pas d'arc. Je suis un boulet de partir sans arc. Nickel. Ouh, ça c'est bien. Bien. Alors ça, je prends. Ça peut toujours servir, la Nether Wart. Hop. Les verrues du Nether. Encore un peu. Je vois un coffre là-bas. Ça c'est bien qu'ils aient mis des coffres dans le Nether. C'est même très très bien, très 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 bien. Alors ouais, ok. Ouais, bon, ça mène à rien, on va pas y aller. Donc il y a un peu d'exploration, mais écoutez, autant la faire ensemble, hein. Très bien, très bien. Ça c'est ouais, attends. Là. Encore un petit coffre, non? Ou dégage de la biatch. Je t'aime pas toi. Tu peux. Je vais en tuer quelques-uns histoire d'avoir une tête. Ouais, le blaze, ça va aller, je peux en passer. Pas que j'aime pas, hein, mais c'est. Voilà. Ok. Encore un petit coffre. Non. Pas de coffre. Allez, pour le fun. Oh, magma cube, lol. On va prendre un steak. Haché. Ok, je sors. Alors en fait, si je décale toujours un peu mon pointeur pour regarder, c'est que là, actuellement, je tourne vers les 10h, le soleil est suffisamment haut pour qu'il y ait un putain de rayon lumineux sur mon écran. Et donc, il y a une partie de mon écran que je ne vois pas, et c'est très très chiant.
Et si j'étais intelligent, je mettrais quelque chose pour couvrir la fenêtre et tout ça, mais... J'ai la flemme. Ce chemin ne mène à rien, j'ai l'impression. Oh, mais je vois qu'il y a d'autres donjons par là-bas. Très bien. Mais j'irai plus tard. Je vais d'abord finir mon donjon à moi. Enfin, celui-là, quoi, il y a des passages que j'ai pas explorés. Gauche, y a rien. Gauche. Ok, bon, je peux lâcher la barre espace. Un gros malade, je suis un psychopathe. Je me suis pas encore fait toucher une seule fois, non mais c'est pas... J'ai pas trop géré. Quel abruti. Voilà. Hop, une blaze rod au passage. Je suis un PGM. Ah, j'ai buté 3 blazes sans me prendre un coup. Autant reprendre une blade rod. Aïe, je me sens tellement fort. Non, j'ai pas frappé du pigman. Allez, le gros, viens à moi. Viens à moi. Oui, c'est bien. Et tu fais mal. Tu fais même très mal. Très très mal. Bon, mourez. Bande d'infâmes créatures du nether. Alors, magma crime, ça m'intéresse. Contre. Entre une planche de bois. Hop. Hop 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 hop. Ouah, le coup de frise. C'est vraiment très chiant le rayon lumineux là, ça y est. C'est très 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 chiant. Bon, sur ce chemin là, il n'y a pas de coffre, il faut que ce soit les chemins recouverts là. Enfin, il me semble, hein, d'après ce que je vois. Bon, bah, je vais retourner au chemin couvert. Si je le retrouve. Ce qui est un peu douteux. Donc, j'ai un spawner à zombies. Donc, avec lequel j'ai failli te frapper. Hein. J'ai failli faire mon trisomique. Enfin, mon trisomique. Taré, quoi. Oh oui. Hop, 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 hop. Merde. Contre un os. Voilà. Ça qui est bon. En fait, le nether c'est pour avoir des trucs pour les chevaux. Pour les poneys. La poney, la poney. Non, c'est la cheval, c'est quand j'aime la... Coffre. Je suis vraiment stupide. C'est vraiment très chiant le truc lumineux. Coffre. Hop, 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 hop. Voilà, petite armure en or qui sert à rien. Mais... C'est pour le plaisir d'avoir une armure en or. Même s'il n'y a aucun plaisir à avoir une armure en or. Allez, hop. Hop. J'ai mis le son du jeu. Ouais, très fort. Ah, très pas fort. J'ai l'impression qu'on n'entend pas le son du jeu. Là, on l'entend. Ouais, là, on l'entend. Je vais le laisser comme ça. J'ai rien à manger, donc je vais rentrer. Les faits, ouais. Je sais pas où je vais. Je suis pas passé par là, j'y vais. En fait, j'ai pas spécialement envie de rentrer. Je dirais que c'est pas par là. Non, c'est pas par là. Ah là 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 là. Bon, on continue.
Déjà, c'est très bien, j'ai eu 3 armures pour chevaux et j'ai 4 selles, donc je vais pouvoir me faire plein plein de poneys. Youhou! Je l'ai fait ce coffre? Ouais, c'est là d'où je viens à tous les coups. Ouais, c'est là d'où je viens, j'ai retrouvé la sortie. Donc, très 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 bien ce que j'ai trouvé. Et là, il y a un ghast qui a pété mon chemin. Boum! T'as le seum, hein? Dégage. J'aime pas les ghasts. Hop, hop, merde, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Aïe! Hop, 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 hop. Oh, où je passais là? Merde. Je me rappelle plus du chemin. Bon, on va monter, on va se casser du ghast. Je me rappelle plus par où je suis passé. Et moi, je veux pas mourir. Non, je suis trop jeune pour mourir. Trop, trop jeune. Là, là, oui. En fait, j'étais juste à côté. À moins que ce soit un autre portail du désert, mais ça m'étonnerait. Non, je vais pas y retourner. Alors, faudrait que je replante ici. J'ai toujours rien à manger. Bah non, c'est un petit peu pour ça que je suis rentré. Aussi, maintenant qu'on est là, on va rentrer. On va voir ce que j'ai fait entre l'épisode truc. Le gravier, je sais pas si je l'avais mis, mais voilà. Enfin, je compte faire un autre chemin plus beau. Ici, j'ai toujours pas fait. Ici, j'ai juste squatté un lit. Là, j'ai juste mis ça comme ça en attendant. Mais c'est toujours aussi moche. J'ai commencé la déco ici. Et j'ai continué un peu la salle des coffres. Le gravier, non. Le bois, ouais. Ça, je vais mettre l'or. Le flint, le fer. Merde. Et j'ai toujours pas assez de coffres. Donc pour le moment c'est toujours le bordel. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Tac, tac, et là on va aller prendre plein de poney. Sauf que j'ai toujours pas de bouffe. Bon bah on va manger ça. Hop. Ça nourrit pas beaucoup. Alors, tac, tac, déjà tu vois, t'as plus la classe. Ce serait pas encore plus classe avec une armure en or. Ouais, bon, le diamant c'est mieux. Voilà. Alors, je vais faire une espèce d'écurie à l'arrache, enfin des box à l'arrache quoi. Mais plus tard, je compte faire une écurie. Ça sera stylé. Alors. Hop, hop, hop. Merde, pourquoi j'ai fait 3? Et une dernière.
Hop, voilà. Et là, on va chasser du poney. Donc, le groupe là-bas, je crois que je les avais déjà capturés. Ok, toi t'as pas l'air content. Ah, mais tu me... Voilà. Toi, est-ce que tu vas vite déjà? Eux, on va mettre une selle. T'es méga long. Non, ça va encore. Je te mets un truc en or parce que ça te va bien. Parce que t'es le deuxième que j'ai capturé. Allez. Hop. Eh merde. Voilà. Ah bah non, si. Ça y est, je me rappelle de comment je pouvais faire. Alors, je vais en chercher un autre, même deux autres. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mes chevaux. On en parlera, enfin, quand il fera jour. J'allais dire que j'allais vous montrer ce que j'ai fait entre l'épisode 2 et 3. Mais c'est un peu ce que je viens de vous montrer juste avant les chevaux. Donc finalement, je vais vous montrer les chevaux tout de suite. Donc, j'ai trouvé un cheval qui est une grosse blague. Alors, vous connaissez celui-là, voilà, celui-là. Celui-là, vous le connaissez pas trop. Voilà, enfin... Pas trop rapide, mais voilà, quoi. Tranquille. Très bon en saut, celui-là. Il saute haut. Très haut. Et il y a celui-là. C'est une grosse blague. Alors, déjà, il saute pas très haut. Et il est méga lent. Voilà, c'est une grosse blague. Alors, faut que je regarde, mais... À mon avis, c'est celui-là qui va bientôt avoir l'armure en or. Parce que il saute assez haut. Et puis... Il est assez rapide, mais... Et merde. Ah, oups. Ayasna. Mais... Voilà, toi tu retournes. Ici, moi je bute le... Ok. Bute le zombie. Voilà, tranquille pépère. Lui, pas beaucoup de vie. Et lui, il a toute sa vie, donc on va... Buter du mob avec une armure en or en plus, allez. Bon, va falloir que je me maille pour récupérer mon poney. Et j'ai perdu 23 levels. Il y a des monstres pas loin. Tu te fous de ma gueule. Ok, bon, bah, ceci est du foutage de guerre. Mon poney en armure en or. Alors. Putain, il y a du mob, hein. Ils déconnent pas, les mecs. Bonne journée! Bon, il s'est cassé où, mon cheval? Mon cheval, il s'est cassé. Il y a du mob qui me suit en tout cas. J'ai perdu. Il est là-bas. Il est là-bas. Heureusement que j'ai pas pris le méga lent. T'as bien, reviens toi. Allez. On rentre à la maison. On rentre du boulot. Le cheval, c'est trop génial. Tu veux descendre de la montagne, le cheval. Il y a quand même pas mal de mobs. Voilà, c'est bon, il n'y en a plus aucun qui me suive. Hop. Voilà, et je me réfugie pas dans le nether, mais
Ça pourrait être une bonne idée. Alors, je vais faire péter un creeper. J'ai tenté de le tuer, mais j'ai me fail. Et je me suis pas fail. Je suis un expert de la situation. Au passage, je vais enchanter mon épée level 1. Peach. Ne pète pas, ne pète pas, ne pète pas, ne pète pas. Je me casse. Suis-moi, même si t'oseras pas. Ah là, je suis en train de gérer une situation extrême, mes amis. Ça se trouve, il y a un sale enculé entre vous et je le déteste. Mais je vous dis quand même que vous êtes tous mes amis. Ok, il y a un creeper qui se balade. Hi. Enfoiré. Sale enculé. Je te déteste. Je te déteste. Heureusement que la table d'enchant elle peut survivre aux explosions parce que sinon j'aurais pété un câble. Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je ferai ça plus tard, je réparerai ça plus tard. Là, ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est. Je vous ai toujours pas montré la mine. Enfin, si vous l'avez vu à un moment en accéléré, voilà. Pour le minage optimisé, après je ferai un truc automatisé. Enfin, automatisé, je serai obligé de miner, mais voilà quoi. Mais il faut plus de ressources. Alors, vous allez voir comment je mine comme un porc. Ouais, bon, en fait, on s'en fout. Donc là, c'est miné tout droit. Après, ça va dans des cavernes et tout ça. Ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est. On va tuer du mob, non? Bah, là, j'ai été obligé de faire des trucs en offline. Donc. Écoutez, l'épisode sera un peu court, mais. Et pas très intéressant, j'en conviens. L'épisode peut-être le moins intéressant de la série. Je suis vraiment navré. Pour aucune raison valable, mais voilà. Donc je vais vous dire au revoir. Au revoir. Et bye bye.